Et bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec Xebus. Salut Xebus. Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Vous êtes avec le signe noir. Ah oui. Ah oui, cet écho qu'il est beau. Je suis à deux tours avec Poslo et à deux tours aussi avec Malice. De me reposer. Enfin, non, je vais jouer encore deux tours avant de me reposer. Plus précisément. Ok, donc tour prochain, il faudra que... Ouais, tour prochain, il va falloir que j'ai celui-là. En 37. Un allié adjacent, donc il faudrait que je sois adjacent à Malice. Ok. Et c'est tendu, mine de rien, de les buter, là. J'ai presque envie d'utiliser mon truc qui élimine un adversaire à portée, là. C'est pour passer la... Non, mais ça fait un peu chier, quoi. Ça va le faire, ça va le faire. Ça, ça a 4... Après, avec le 2, je peux quand même assez facilement percer. Il faudrait que je me replace où ici. 5 de mouvement. On sent pas de traverser la cour en conchant. C'est passé ça. C'est passé, c'est passé. Ok, on va faire ça. Et toi ça sert à rien. Si ça, c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Je te suis. Non, on va cramer ça du coup pour se déplacer. Allez, c'est parti. Je t'ai pas rassuré l'idée de traverser la foule comme ça. Attendez, excusez-moi, petit problème logistique de Shobiti qui a besoin que je fasse des nœuds dans sa laine. Voilà, c'est géré. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une fessée sur toi? Il t'a immobilisé. Ouais, il m'a immobilisé, le salopio. C'est pas cool. Hein. C'est pas cool hein. Ah, le moins 1 sur le... Ouais. Ça pique quoi. Ah mais quand tu... je me disais mes touches marchent plus, mais en fait non, quand tu tapes je peux pas déplacer la caméra. J'avais jamais fait gaffe tiens. Du coup, normalement... Je peux le finir, j'avais peut-être même pas si j'ai quand même besoin de prendre cette carte là du coup. Allez. Hop. Bim. T'as pas besoin de la glace hein. Il est déjà étourdi. Ouais mais ça me rapporte un point d'XP donc. Ah oui, vas-y, oui, non, j'ai pas besoin de la glace. Oh là là! Quel bon, tu les as sortis! Tu les as sortis! C'est bien! Cela dit, il m'en reste beaucoup. Ah, il en reste encore 3 des moins 1, quoi. 1-0. 2 malédictions. La tristesse. Alors attends, ils vont faire quoi? Déplacement 4, attaque 3, portée 3. Ah, ils font mal en plus, hein. Fais chier. Bon, j'invoquerai lors du prochain. Ouais, il y a encore un peu de. Faut quand même parcourir un peu pour la prochaine salle. Ouais, y a du chemin, ouais. Après, la question que je me pose, c'est l'ouvrir et on se rapatrie, comme ça, ils mettent du temps à nous atteindre, non? À chaque fois, c'était merdique, ces idées, en fait. Ouais, bah le problème, c'est qu'on se fait assez Ah, mais merde, vite, c'est un couloir, en fait. Il y a un couloir et une salle. Oh. J'espère qu'il y a une porte. C'est tout ce que j'ai à dire. bon, je peux pas lui faire de dégâts, mais au moins, voilà, comme ça, c'est fait. Bon, le stun aussi, c'est cadeau. Ça nous a fait plaisir. Puis on va se déplacer un peu. Voilà, on va s'avancer tranquillement vers la porte. À la fenêtre à gauche. Au moins, ils vont pas faire de dégâts. Ah, fais gaffe à tes lignes de vue là. Là, tu ah mince. Non, je vois pas la deuxième. Ah ouais. Ah dommage. Bon. Oh, ça veut pas passer quoi. J'aurais dû l'empoisonner. Je pensais le buter avec un 5 de dégâts quoi, mais. Donc faut que je m'éloigne pas trop avec Malice, c'est ça l'idée. Hein. Ouais, je joue pas trop vite. Mais t'as pas de glace? Ah oui, non, tu vas jouer. Alors, ouais, bah, je joue pas trop vite, je suis obligé de jouer en 20. Fais du mieux que tu peux. Ouais, je vais faire du mieux que je peux. De toute façon, je vais pas trop bouger, hein. on va taper. On va faire ça. Mais je vais pas bouger de toute façon, hein. Je vais jouer vite mais je vais pas bouger.
Puis bah là, du coup, étourdissement, ça sert à rien de cramer une carte pour ça. Salut Bigadin, comment ça va? Salut Bigadin, mais lui sur live. Ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, ouais, on essaye survit. On essaie d'aller chercher l'enchantresse pour avoir les améliorations sur les cartes. Vu qu'on a dit qu'on allait continuer la trame principale quand tu serais là. Ah, mais c'est dommage, j'aurais dû jouer vite en fait. Comme ça, j'aurais récupéré les cartes que je viens de jouer. Je sais pas comment ça marchait. Ok, très bien. Mais Hein? Ouais, c'est vrai, je sais pas. C'est pas dit. Oui, non, je pense que t'as raison en plus. J'ai pas. Pas réfléchi. Ah putain, tu crames ta carte? Ah non, je la crame pas. J'utilise le. Quelle carte? Ah oh, ok, oui. Oui non, j'utilise le 2 d'attaque avec mon plus 2, ça fait quand même 4 de dégâts normalement, y'a moyen quoi. Oh! Allez tous mourir! Je me casse! Oh la vache quoi! Oh la plaie quoi! Le truc infernal! Ah non, mais avec toutes les malédictions qui nous ont foutu sur la tronche aussi quoi! Au bout d'un moment ça va passer quoi, c'est obligé! Plus 2, allez! En plus j'ai tiré mon x 0 et ça m'a pas rechargé mon plus 2, les salauds quoi! Il m'a dit que là il disait plus aussi. Oh. Tiens, mange ton zéro. Ça t'apprendra, foutu esprit, à tricher comme ça là. Le petit taunt de Squash, j'aime beaucoup. Burger Shop 2. Franchement, tu peux jouer à Happy Humble, le jeu d'horreur pour faire des burgers là, et ça te change ta vie. Hein. Ah, je suis en désavantage quoi. Bon, en même temps, je suis censé faire que 2 de dégâts, mais quand même, ça fait chier. Ça marche pour la totalité de l'action d'attaque. Ouais, bon, c'est un peu dommage. Sinon, il faut que je me déplace de 4, je serai ici. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Je serai à portée. Je vais me déplacer, attaquer après. Tu seras pas à portée, si tu vas jusqu'au bout, tu seras pas à portée pour le deuxième. Hein. Non, je pensais aller. Alors attends, je vais virer le truc juste là, ouais. Et c'est ça. Ok, d'accord. Juste histoire de pas totalement perdre le mouvement et puis pas avoir plus de chances d'avoir des zéros, j'en ai déjà suffisamment. Voilà. Hein? Bon bah du coup je dors. Allez tous vous faire foutre! Bon, est-ce que je vais ouvrir la porte avec malice et j'invoque plein de créatures pour me protéger, ça te va? Je sais pas, pourquoi pas, ça peut être une idée. Elles sont classe les portes, hein, cela dit. J'avoue, j'avais pas fait gaffe, mais elle est jolie. Hein. Ah ouais, non, Squash, c'était un peu n'importe quoi ce jeu, franchement. Enfin, il était fun, hein, mais c'était pas aussi horrifique que prévu. Il y avait de la pression, cela dit. Moi, j'étais en sueur après les sessions de live. Hein. les trucs qui te tombent dessus là, c'était. Ça piquait un peu. Comment on va gérer ça? Bah, il faudrait que j'utilise des attaques au corps à corps pour percer leur défense là. Ça me paraît le plus pertinent. Et me déplacer pour ça, ça fait chier. Cramer une carte. Tu peux faire récupérer une carte détruite à quelqu'un, si ça peut te. Ah bah, ce que je pourrais faire, c'est cramer une carte pour courir jusqu'à l'un et attaquer au corps à corps, essayer de défoncer la petite là. Au pire, on peut faire l'inverse, hein. Je reste derrière, je les gère avec malice, je vais finir par les avoir, et après je vous rattrape. Et nous on avance, c'est ça? Alors du coup. Avec ça, hein, c'est tendu de passer, mais
Pas de glace, non, il n'y a pas de glace. Ah non, je génère de la glace. Ok, je bourre en avant. Ouais, bourre en avant. Gameplay, gameplay je vais, très, je vais très générer subtil. De la glace et après je le défonce. Au tour d'après, ça devrait ravoir mon attaque de 5 là. Je devrais quand même pouvoir passer à un moment. Oh la malédiction de l'enfer. Du coup. Hop. Hop. Allez, sur un malentendu. Passer le déplacement. L'attaque. Oh mais c'est pas vrai. C'est bon là. Putain. Sérieusement quoi. L'enfer. Allez. Allez. Oh. T'en as tiré quelques-unes hein. Ah mais ouais. Ils font quoi, une malédiction? On discute très peu de stratégie squash. En gros, il reste en arrière pour les gérer et moi j'avance. C'est pas de la discussion stratégique. C'est clair, je peux complètement me foirer et passer toute la partie là à essayer de les buter jusqu'à ce que je meure. Hein. C'est totalement possible aussi. Hein. Allez, on va appeler de l'aide parce que là, ils commencent à me casser un petit peu les roupignoles, les deux là. Je te récupère ta carte détruite ou pas? Ouais, avec plaisir, ouais, ça me permettra de vous rattraper. Si ça te dérange pas. C'est vrai qu'il faudra peut-être qu'on cale un Peggy 18 Calimero sur la rediff, t'as raison. C'est ce qu'on appelle communément des nablas. Mais ça va, y a pas de boobs donc on va pas se faire strike. Ah là là. Allez, on y croit. Oh putain. Waouh, la violence. 4 de déplacement. Ah putain, en plus ils viennent jusqu'à toi. Bon, si tu recules, il y en a un qui vient jusqu'à toi. Ça pique. N'empêche, t'as vu, un squash, il a spoté direct là, discussion stratégie. Ah mais direct le reproche, hein. On voit le squash. Hein. Ah ouais, carrément, là, y'a aucune pitié, quoi. Est-ce que ça se cumule, ou est-ce que... Et on t'a une carte à chaque fois qu'ils te font ça. Oh la vache. Oh putain. Non mais on avait réussi à en cramer, là, laissez-nous. Le pire, c'est qu'il y a que toi qui en es cramé, moi j'en ai pas cramé encore, elles font que s'accumuler, hein. T'inquiète, ça viendra assez tôt. Toi, tu prends les dégâts, toi. Aïe! Ah ouais, là, heureusement qu'il y en a qu'un qui tape. Hein. Vache, j'ai pu cramer mon stun de masse du coup. Qui se mettent bien tous en tas là. C'est pas eux qui avaient une erreur de traduction d'ailleurs? Non, c'était les démons de la terre, je crois. Ouais, mais je crois que ça a été corrigé justement. Alors, une carte à détruire. Non, pas ça. Pas ça. C'est quoi la différence? Ok. Ouais, peut-être ça. La perforation, elle a gardé. Hein? Ouais, je pense qu'on va cramer. Ça merde, mais exactement le crameur de cartes. Écoute, hein, voilà, comme dans tout jeu, il y a des termes techniques. Il faut utiliser les termes techniques, c'est important. T'entends pas hein, le retour du live de Damned à côté hein, sur dans mon micro hein. Non, pas du tout. Je pense qu'on va faire ça, mais ce serait bien si on attaquait un peu plus vite quand même.
Ouais. Ouais, ça pique. Bon. Petite saloperie à nous. Ça, ça passe pas. Ils vont finir par me tenter, je vais finir par la buter à coup de carte qui élimine les ennemis là. Retiens-toi. Ah, retiens-toi, ne fais pas ça. Là, si je fais ça, c'est 4 plus 2, ça peut passer. Ouais, ça peut passer. Allez, on tente. Tant pis. Grâce au gentil bricoleur, on a récupéré une carte, donc on va pouvoir se permettre d'en cramer une. Ouh, il est sportif. Pas mal. Récupérer la thune pour ma crapule, nous dit Bigada. Bon, on a mis une petite blessure, ça va faire un peu de DPS sur les deux élites. Il va crever ton mec, il va se prendre une tatane. Il va s'en prendre qu'une seule. Peut-être deux. Il y a moyen qu'une seule quand même, mais... Ouais. Bon, je les empoisonne, ça te convient? Ça me convient plutôt bien. Et ouais, Bigard, récupère la thune pour ma crapule. Non! Pour une fois qu'on a accès à un peu d'argent, on va pas cracher dessus, hein. Je vais garder ça pour éventuellement lancer ce truc. Les immobiliser, ça sert à rien, ils peuvent pas avancer. C'est dommage que je puisse pas choper l'autre derrière là. J'ai vraiment pas moyen de... Non, c'est trop loin. Il est une caisse trop loin, le petit fumier. Bon, tant pis. Ça veut pas, hein. C'est un truc de fou, hein. Heureusement que j'ai pas cramé mes cartes cool, parce que... Non, Squash... Damned, il a lancé un... Il est en live sur la chaîne des jeux du Signe, pour le coup. Il a créneau sur la chaîne des jeux du Signe, c'est pour ça qu'on est en live chez Xebus, d'ailleurs. Bah voilà, non mais c'est ça, faut invoquer ça. Des trucs, en fait. Ouais, mais c'est vrai que toi, tes invocations ont toujours été plus efficaces que toi. Hein. Tu dois faire un build uniquement invoque. C'est tellement pas légite. Ah putain. Ah, je suis blasé, quoi. Oh merde. Ouh, ça passe. C'est cool la petite blessure. Puis ils ont pas de heal. Contre l'esprit là. Non, ah, il va piquer. Pas le plus 1 en plus. Ouais, du board game squash. En plus, du coup, il travaille. Là, c'est la deuxième fois qu'il en fait. Donc, il travaille sur le. Comment ? Pas le matériel, enfin, le matériel et puis le... la qualité de la présentation, et là je pense qu'on commence à avoir un truc qui est quand même vraiment sympathique à voir. Bon, si vous bougez pas trop, je pense pas que vous avez trop bougé parce que vous pouvez pas aller loin, je vous soigne un peu. Et toi du coup, ça vaudra peut-être le coup là. Hein. Portée de quête, 1, 2, 3, 4. Alors je sais pas. Plus qui c'est qui demandait pour les lignes de mouvement de vue la dernière fois, en fait c'est pas inutile, hein, je dois avouer. Bon burger Bigada, profite bien. Bonne soirée. Et bon app Bigada. Bon allez, on se met en mode brutal. Ça commence à bien faire les conneries. Putain, ça joue vite, mais on joue sacrément vite. Oh, ils ont une attaque à portée, non, t'es sérieux? Ah non, y a pas de glace.
Pff, ouais. Ça marchera quand même. Oh putain, je vais me prendre 12 points de dégâts. Attends. Non. 8 et 3. 11. Je prendrai des dégâts s'ils sont encore. Oh yes. C'est beau ça. Bim. Ah la vache, c'est bon ça. Allez, frappe le copain. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Mais t'as un réglage, va dans l'option, difficulté, t'as un truc à cocher en bas, et c'est pour les piou-piou. C'est ça, c'est le truc, les dés avec 6 faces avec des 6 dessus. C'est ça, ouais. Bon, l'avantage c'est franchement. Il va crever de sa blessure, il n'a plus besoin de le taper, au moins c'est quand même propre, on peut pas se plaindre. On peut l'ignorer. On va quand même pas se plaindre. C'est quand même un et beau salut Lio, bienvenue à toi sur le live. Salut Lio, bienvenue sur le live. Ah ouais, non mais Squash, franchement, je vous ai montré mes screenshots de Pathfinder. Hein. Premier combat, double 1. Le premier jet de dés du jeu, c'est fait. On t'a bien chié dans la bouche. 4 de portée, est-ce que je le vois là? Ah, il est trop loin le fumier. Est-ce que je grid en me foutant devant vous? De toute façon, il va pas m'attaquer. Oui, je peux. Ouais. Oui, je peux complètement. Allez, bim. Je vous mets un petit heal histoire de dire quoi. Salut Speed, comment ça va? Salut Speed, bienvenue sur le live. Ce serait cool qu'on puisse tirer des modificateurs pour les soins aussi. Ce serait marrant. Il se déplace de 3 l'autre derrière. 1, 2, 3, non, c'est moi trop loin. Par contre. Il fait une attaque à distance hein. Non, parce qu'il n'y a pas de glace. Ah si, il a porté 2, j'avais pas vu. Vraiment, bah tant pis. Je me tâte de pas attaquer le mec qui est au corps à corps parce que je vais me prendre une riposte. Si je me rate, ouais, il va ça, crever ouais. De toute façon donc. Non, l'attaque pas, ça sert à rien, t'en prends qu'une. Attends, pas s'emmerder, on va espérer ouais, un héros bon tirage. Du fléau, c'est pas. Pas commun. Ouais, un petit héros du fléau, c'est Poslo du fléau là. Bon, il est mal placé en l'occurrence sur mon écran, mais pas sûr de tir aussi probablement. Ouais, j'ai mis le retour du chat, mais pas de ta vidéo parce que je voulais pas trop laguer. Allez, j'ai tiré tous les moins 1 et toutes les malédictions, Xebus, c'est le moment. Il faut que tu le butes. Tu m'entends? Ouais, je t'entends, oui, je suis en train de réfléchir. Je vais tanker à la place de Poslo, je peux me permettre de cramer une carte avec, c'est pas trop gênant. Pareil, attaque pas Siki au cac, hein, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Oh, c'est beau ça. Ouh, bah oui! Ça c'est bon! Ah, ça sert à ça l'arc. Pour donner une érection à mission. Ah, ça a l'air sympa le jeu de. Le jeu de Mawa! C'est pour lui donner une érection! Oui! Alors. Oui, son jeu est très sympa, effectivement. C'est Hunt, Dorsal Hunt en fait. C'est Dorsal Hunt, exactement ça. Avec ce que j'ai entendu, c'est oui, c'était pour lui donner une érection. Oui, tout à fait. Ah, punaise. C'est une technique de déconcentration comme une autre. Ah oui, c'est une technique de déconcentration comme une autre, ça c'est sûr. Hein. Ça, y a ça pas se de problème. Tient. Ça se tient bien même. Ah, Speed, là. Non, on vole pas la chaîne, c'est Damned qui a le créneau ce soir. Le Lio demande. Ouais. Demande comment tu le joues d'ailleurs ton héros du fléau. Poison, DPS vent ou malédiction. Bah plutôt un mix pour l'instant vu les cartes que j'ai. Un peu de poison, un petit peu de soutien en faisant de la malédiction, du stun. Il a des attaques de perforation qui sont pas mal dans cette carte là en l'occurrence contre les saloperies d'esprit d'élite là. Donc c'est globalement plutôt un mix pour l'instant. Mais là, Euh...
que je le maudis? C'est risqué de venir au contact de ces petites merdes quand même. Hein. Bon, après je le stun donc je peux me permettre. Hein. Allez. Toi, va bientôt falloir que tu te piotes, mais avant, faut que tu rattrapes les copains. 3 de mouvement, tu iras pas très loin de toute façon. Là au plus, donc faut que je joue après. Donc là, nous on part sur un gameplay basique. Hein. On fonce dedans, on frappe tout ce qui est à portée, et il faut que ça meure parce que sinon, nous on meurt. Il y a attaque ce stun 2, perforation 3. Écoute, je t'en prie, fonce. Fais-toi plaise. Mais tu fonces pas du tout dessus là. Arnaque. Arnaque. Quige, contange. Ça va. Oh, il a bien mangé sa mère là du coup. Ça donne envie d'essayer de le finir. T'as prévu de le finir ou je le finis? Non, c'est la sécurité. Oh putain. Quoi? Ok, vas-y, je te regarde. Tu préfères que je le stun, c'est ça? Non, mais bon, franchement, je suis sûr que si tu joues même avec les lunettes, avec ton attaque à 3, là, du genre pour avoir l'avantage, tu vas nous sortir une malédiction et un échec critique, et là, tu vas faire, putain, les gars, c'est chaud. Non, essaye de le tuer. Je peux essayer de le stun, mais après, de toute façon, il va venir taper sur ton gars, donc... Il fait quoi, d'ailleurs? Il se déplace? Ouais, déplace de 2, attaque 2. Ouah, c'est bon. On peut pas que tirer des zéros. Tu vois? Oh belle. On peut pas tirer que des zéros. Un zéro insight. Non, ça va. De toute façon, il a un gameplay très. Comment dire? Tu sais, c'est très tranché. C'est soit des fois 2, soit des zéros. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est ça, moi je joue l'extrême. Tu sais. C'est pour ça que je joue les conditions avec tous mes persos. Parce qu'en fait, je fais tellement pas de dégâts à cause des zéros. Par contre, je mets de la confusion, je mets du poison, je mets de la malédiction, je mets tout ce que je peux. Pour que les autres fassent le DPS. Bah ouais, déplace-toi si tu veux te déplacer, je sais pas où, mais... Bah du coup, on va le plus loin possible. Faut avancer, hein, ouais. Ouais. Et puis bah là, passe l'attaque. Le Diablo, là? Non, je vois pas de quoi tu parles. T'as eu des problèmes aussi sur Diablo? Non, bah Diablo, il n'y a pas de jet D, donc ça va. C'est pas si mal, on va dire. 4 de... 4. Ouais, c'est assez improbable, mais... Tant qu'à faire, on va prendre ça. Je me repose avec Malice. Il n'y a pas besoin d'un rat pour saboter Lio. Hein. Je sabote mes tirages moi-même en fait. C'est tout un truc dans le gameplay, tu vois. Assez inhabituel. Tu le verras pas souvent. Ah non, j'ai besoin de personne. Hein. Comment ça? Je me sabote tout seul, il n'y a pas de problème. Putain. Ah oui, c'est vrai, Speed, je balance des malédictions et je laisse les autres faire le DPS, exactement. Mais en plus, dans Diablo, j'ai oublié qu'on ne pouvait mettre qu'une seule malédiction, donc je suis deux fois plus inutile. Et le truc qui est drôle, moi, quand je joue à Gloom avec le Signe, c'est que quand t'as un ami comme ça, t'as pas besoin d'avoir d'ennemis. C'est ça qui est bien. Bah non, ça met un peu de... Bien. Franchement, après, tu nous balances des trucs, là, oui, tout ça, le mode mortel sur Gloomhaven, machin, tiens, joue avec moi. Tu m'en reparleras du mode mortel. Ah putain. Alors, qu'est-ce qu'on jette? Une invocation bof. Bof. Ouais. Ça c'est pas mal quand même. On prend pas trop de dégâts avec Malice pour l'instant, c'est assez plaisant. Je pense qu'on va acheter ça. C'est chiant, mais de toute façon, toutes les cartes achetées sont chiantes, hein, y'a pas de... Oui. Après, tu vois, c'est tout un rôle, Speed, hein, de... Allez.
c'est pas facile hein, de toujours avoir le rôle du mec qui fout la merde, qui crève tout seul, etc. quoi. Ouais, mais t'imagines pas le niveau d'abnégation qu'ils font pour que même quand dans un jeu où je ne joue pas, les gens renomment un perso avec mon nom, et ben ça fout quand même la merde. C'est chaud quand même, hein. C'est. Il y a un. Oh putain, il va me faire pleurer. Oh, merde. Ah mais non, toutes mes cartes de 4 de déplacement, je les crame pour me déplacer quoi. Je suis tellement loin. Il faut le signe soit 0 ou 0. Ah c'est des trucs qu'il faut pas essayer de faire chez vous hein Speed hein, parce que. Il y a 5 ans de vidéaste derrière hein, là. Hein, c'est... Putain, faut... Ça c'est cascade fait par des pros hein. Ah bah ouais, non mais là, on n'est pas là pour glander, là. Putain, il est immense ce couloir, quoi. C'est vraiment des fumiers, hein. Donc moi, le bricoleur, là, il est... Il est pas loin de la fin, hein. Bah ouais, hein, tu m'étonnes. Bah il a bien aidé les autres à tenir, quoi, mais au bout d'un moment, lui aussi, il fatigue, quoi. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Lio, mais le problème, là, c'est qu'on a commencé, on n'a pas eu de bol, on a eu une petite rencontre qui nous a fait, qui nous a farci avec une petite malédiction, les ennemis qui nous ont mis quelques malédictions. Et vu qu'il n'a pas coché les bonnes options, le signe, en fait, lui, il fait que tirer ça. Ouais, moi, j'ai une version développeur, tout ça, qui en fait, me permet d'avoir des bons tirages de cartes, tu vois. Tu vois, tu regardes, par exemple, le bricoleur, là. Il a pas tiré son x0, il a pas tiré sa malédiction, il a tiré aucun moins 1. Ouais. Alors tu regardes. Alors, Poslo il se repose donc c'est différent, mais. Moi je les enchaîne quoi. Ouais, Speed BB3, j'ai dit peut-être. On verra. Peut-être, mais on verra. Mais oui, c'est vrai que là, entre le malus du donjon, avec les 3 modificateurs moins 1, plus les mobs qui te mettent malédiction 3-4 fois par tour, plus la rencontre avec les malédictions, on a quand même bien douillé, quoi. Moi, perso, non, hein, mais toi, oui. T'as tiré 4 fois 0, c'est vrai que ça limite le fun dans le gameplay quoi. Bah c'est sûr que voilà, tu te dis allez je vais faire une attaque de zone de fifou et tout et bim, tu tires 4-0 sur les 4 mobs en face, bon bah ça calme quoi. Tout de suite ton personnage il a l'air vachement moins badass. Je ne me permettrai pas de critiquer BB3, Lio, il est tellement nul que j'ai pas testé les bêtas. Ouvre la porte avec malice ou pas? Est-ce que j'ai de quoi faire? Parce que les mouvements, c'est tendu, tu sais. Je peux cramer une carte pour me déplacer de 4. Ça fait un peu cher, quoi. Avec Poslo, je crois que j'ai un truc pour me déplacer de 6, mais pareil, je le crame. Ouais, mais au moins tu peux reculer, tu ouvres la porte, tu recules et on voit ce qui nous arrive dans la bouche, quoi. Ouais, ça peut valoir le coup, là, pour le coup. Alors attends, je vais essayer de jouer vite. Je peux faire ça, mais ça sert à rien. Ouais, on va faire ça. Allez, bon, je peux jouer en 21, je peux pas faire mieux. Et là, on va prendre un truc à distance, tant qu'à faire. Allez, on va voir ce qu'on nous propose. Ouh, on y croit. Wow, putain. Ça va, il n'y a qu'un seul élite. Par contre, il y a encore 4 saloperies qui foutent des malédictions, quoi. C'est dommage, ils sont pas paqués. Ça vaut même pas le coup d'utiliser de cramer ma carte, du coup. Qu'est-ce qu'ils font? Déplacement 3, attaque 4 de zone. Ah, fait chier. 3.
Même si je recule, on va se prendre tous les deux les attaques, quoi. Je vais me mettre assez loin pour qu'il te tape pas. Tanker avec Poslo, ça semble une idée de merde. Hein. Il va se faire défoncer là. Ils sont où les loups? Ils jouent tout de suite après les loups. On a 4 tireurs de loups, 3 givres avec un élite. 4 de mouvement, putain. Ouais, je me tâte. Est-ce que je recule juste d'une case pour permettre à un mec de passer, ou est-ce que je recule le plus loin possible et du coup ils vont s'engouffrer un peu dans la brèche, quoi. C'est toi qui vois. Ils ont 3 de mouvement. C'est l'élite qui a 3 de mouvement. Il est trop loin. Les autres, ils ont 2 seulement. 1, 2. Donc ils vont se foutre. Là, tu joues pour 10 points de dégâts sur Poslo ce tour-ci. Ouais. Pourquoi je peux pas me déplacer plus? Ah non, mais je peux pas terminer parce que je vole. Ouais, non, ok, pardon. Je vole, mais je peux pas terminer sur un truc. Sur un obstacle, puisqu'après, je volerai plus. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça. Ouais, ça pourrait être légit en fait. Ah, mais grave. Je pensais pas. Comment ça se fait que t'as autant de portée? Bah ouais, j'avoue. Non, c'est le jeu qui déconne, je peux pas les toucher. Je peux pas tirer aussi loin. Non, non, oui, c'est le jeu qui fait de la merde. Ok. C'était bizarre aussi, je suis d'accord. Bim. Ah ok, nice, les loups vont bloquer les démons de givre. Ouais, on va prendre un petit peu, mais... Mais c'était quoi ça? Oh le bâtard. Attaque plus 2 si la sable est adjacente à un des alliés. Oh la vache. Oh mon dieu, je souffre. Ah, précieux. Bon, moi le squelette il va se déplacer comme un porc, ça n'y a pas de souci. Ah, je peux même pas venir au contact mettre des tatanes du coup. Tu reculeras Poslo au tour prochain. Ouais, ouais. Et puis bah là. Je peux mettre un petit tir en immobilisé. Hein. Tu comptes faire des dégâts? T'as pris quoi toi comme carte? Non, tu te reposes. Et là. Attaque 1, portée 4. Il tank érotiquement. Il tank érotiquement, ouais, c'est un petit peu ça, ouais. Eh, c'était sensuel avec les loups, on peut pas dire. Ils ont la léchouille agressive, hein, c'est bien connu. Ouais, allez. Ah. Oui, bien, 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 bien. T'as pas sorti beaucoup d'intermédiaires, mais tu sors tous les critiques. Ouais. Hein. C'est quand terrible. ça veut, ouais. C'est terrible. Allez, va falloir reculer maintenant. Ils attaquent pas à distance, les petites saloperies, là. Ah oh putain, Poslo. Non. Ah non. Qu'est-ce qu'on peut cramer? Ils sont bien en train de se mettre en tas, ça m'emmerde de cramer le truc de zone. Ça, bah on va cramer ça, hein. Tant pis. Chier mais bon. Ah mais je vais tous me les prendre, ils ont assez de mouvement? Non, ils ont pas assez de mouvement. Oh putain. Ah, je souffre. Ah, ça pique. Ah oui. Oh, il est beau. Oui. Oh oui. Oh, il est beau. In Uranus, esprit Mali. Bon, bricoleur, on compte sur toi. Non, on peut pas avancer. Ça fait chier, mais on peut pas avancer. Ok, j'ai envie de dire ok. Ouais, je sais. Ah oui, ok, genre ok comme ça quoi. Bien, bien. Non mais bien. Ok. 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 Ok, je... On peut pas dire. Attends. Donc là c'est le moment où faut tout lâcher, c'est ça. Ah, c'est le moment où il va falloir gagner là. C'est le barreau d'honneur du bricoleur, quoi. Ah, c'est propre. T'as laissé la place pour que les mecs viennent te taper. C'est propre. Oh non!
Non, je voulais pas faire ça, je vous promets. Je voulais pas les tuer. Non. Oh, je me prends que l'élite, ça va. Ça va, y'a que celui qui tape le plus fort qui vient. Il fait un petit moins 1 en plus. Pas de stress. Y'a point S, pardon. Ça pique, hein. Hop. Bon, on va arrêter cet épisode de VOD sur cette réussite. J'ai envie de dire. Franchement, ça se passe pas si mal, hein. Ça va, on souffre, mais ça va, quoi. Malgré les zéros, on s'en tire pas trop mal, quoi. J'espère qu'il vous a plu. On regarde Xebus choisir sa carte et on s'arrête là. Merci à toutes et à tous, et à très vite pour la suite. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao tout le monde.